Apprendre un métier, c'est acquérir la maîtrise de certains gestes. Xavier est apprenti poseur de sol chez Masserie Intérieure à Neuchâtel. Il explique la technique du trait rapporté utilisée pour poser du parquet. Je vais déjà commencer à poser le plus de lames possible. Là, je prends un panneau que normalement on a coupé parallèlement. Je vais poser le panneau comme ceci et je vais tracer un trait sur les lames que j'ai déjà posées. Ensuite, je prends deux nouvelles lames. Je vais les mettre où il manquait du parquet. Et là, je vais reprendre le panneau et je vais l'aligner sur le trait que j'ai fait. Et cette fois-ci, je vais faire un trait de ce côté-là pour mettre encore assez proche du trait. Mais c'est pour vraiment pour stabiliser les lames quand je vais les passer à la machine. Et là maintenant, je vais pouvoir poser mon parquet. Je suis aligné au mur. Pour l'autre sens, c'est la même chose. Je vais de nouveau reprendre et appliquer des nouvelles lames encore. Et je vais reprocéder à de nouveau un trait rapporté. On fait le trait et on comble avec deux nouvelles lames. On revient avec notre panneau. On refait un trait. Et voilà. On arrive, on peut être précis avec ce système de traits rapportés.